Jérémy Nzoli, un step back pour shooter à 3 points. Et c'est lui qui envoie la première banderille dans ce match entre l'ASVEL et Orléans. James Gist au milieu de toute la défense orléanaise. Et c'est Charles Cahudi qui va aller défier Youssou N'Dolo dans les airs. Et James Gist qui vient mettre le couvercle. Qui lui a fermé l'accès au cercle. Youssou N'Dolo, il faut le trouver vraiment près du cercle. Et Charles Cahudi encore au combat. Qui va être récompensé avec un lancer à suivre. Marcus Page pour Youssou N'Dolo qui va aller défier Victor Wembanyama. Il aura le panier et la faute. C'est le métier qui entre pour Victor Wembanyama pour gérer les deux compétitions, les deux saisons régulières à 34 matchs chacune. Chris Jones. Et le panier avec le lancer à suivre pour le meneur américain. Et la tentative de alley-oop conclue par Victor Wembanyama. Avec Bruno Singalamata en difficulté sur son dribble. Et là, allez, oup, avec Victor Wembanyama qui n'a pas eu à forcer sur les talons pour aller claquer ce ballon dans le cercle. Avec Antoine Dio, Paul Lacombe, décide d'y aller. Oh, magnifique le allez, oup, conclu par Kostas Antetokounmpo. Antoine Dio avec David Lighty, de retour en jeu. James Gist également. David Lighty. Et dans la raquette, dans la peinture. Chris Warren face à Matthew Strazel. Marcus Page, on en parlait. Il a vu un espace, il l'a saisi. Chris Warren. Oh, magnifique. Youssou N'Dolo qui est venu claquer sur les hoops par la défense villeurbanaise. Elio Kobo. La mauvaise transmission, ballon récupéré par Youssou N'Dolo. Marcus Page à 3 points. Oh là, Marcus Page, lui aussi il est fiable. Chris Jones à nouveau face à Chris Warren avec James Gist. Oh, le dunk de James Gist. Kai Van Davenport, il aime ses longues chevauchées. Le panier est la faute pour l'Américain. Bien défendu par Malala Moutoualé. On est en toute fin de possession pour Chris Jones. Et le sens du timing de Chris Jones qui lâche ce ballon à temps. Effectivement, il est encore très jeune. Victor Wembanyama, 17 ans seulement. Oh, le dunk pour Youssou N'Dolo. Il a vu la raquette complètement libre. C'est pas ce dont rêvait sans doute Germain Castano après le passage par le vestiaire. Et Davenport pour remettre un petit peu d'ordre. Face à Kostas Antetokounmpo. La passe à Youssou N'Dolo à l'intérieur. Oh, il a réussi à feinter Victor Wembanyama et derrière il aura le panier et la faute. Côté sénégalais. Youssou Fall, Youssou N'Dolo, Boubacar Touré, Ibrahima Falfa et Léo Kobo à l'intérieur, bien servi par Chris Jones. Avec l'écran de Youssou N'Dolo, Warren qui prend ce shoot à 3 points, la faute, le panier à 3 points, peut-être la séquence à 4 points pour Chris Warren à condition qu'il se relève. Chris Jones face à Malala Moutoualé, c'est lui qui va défendre sur Chris Jones. Et Paul Lacombe encore, il nous refait le coup de passer backdoor. Et d'aller marquer en lay-up inversé. Malala Moutoualé. C'est un peu le local de l'étape pour Orléans. Lui, le natif de Dessine, mais son ballon est intercepté par Chris Jones en contre-attaque. Il va rajouter 2 points. Au point de réclamer sa prolongation jusqu'au bout de la saison. Chris Jones à 3 points. Encore Chris Jones. Inarrêtable. Orenus sous le maillot chalonnais. Oh, le gros shoot! Antoine Dio encore! Malala Moutoualé face à Kostas Antetokounmpo. Il essaie de trouver un espace, il va se faire contrer méchamment par Kostas Antetokounmpo. Qui va tenter d'y aller. Oh, magnifique encore, Paul Lacombe! Toujours, il vient demander la balle là. C'est un ballon rendu à l'adversaire. Malala Moutoualé avec Davenport qui a bien manœuvré dans les airs. Et la balle qui revient à Matthew Strazel. La passe pour Kostas Antetokounmpo et le dunk pour le grec. Et le buzzer qui retentit. Victoire logique pour l'ASVEL qui a fait respecter la logique, la hiérarchie, la ville urbaine.